Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette première vidéo de l'année. Je tiens tout d'abord à présenter mes vœux en espérant que cette année 2020 puisse vous apporter énormément de rétro gaming, d'amour, d'eau fraîche et tout ce que vous désirez. Chose promise, chose due, nous allons parler de la Super Famicom. Alors attention, je débute dans le domaine, j'ai très peu de jeux, mais je tiens quand même à vous en parler. Peut-être que cela pourra faire un petit guide d'achat si vous désirez vous lancer dans l'aventure. Alors pour quelles raisons glorifie-t-on autant la Super Famicom par rapport à la Super Nintendo? Déjà pour le catalogue qui est beaucoup plus fourni au niveau de la Super Famicom, plein d'exclusivités dont nous n'avons pas pu bénéficier en Europe. Ensuite, vous bénéficierez également du mode 60 Hz, preuve en image que le mode 60 Hz est beaucoup plus rapide et fluide que le mode 50 Hz. Vous devez savoir qu'à la base, tous les jeux sont créés pour être en mode 60 Hz. Le mode 50 Hz n'étant qu'une simple conversion. Vous aurez régulièrement l'impression de flotter en l'air lorsque vous repasserez en mode 50 Hz. Je pense que le timing que nous obtiendrons à la fin parlera de lui-même. Autre avantage de la Super Famicom par rapport à la Super Nintendo, ce sont les bandes noires qui vont rétrécir significativement dans la version pâle la surface de jeu tout simplement. J'ai également fait l'acquisition de ce superbe rack pour Super Famicom. Visiblement, c'est assez difficile à trouver. Il y en a peu en vente actuellement. Vous pourrez disposer votre Super Famicom sur celui-ci. Ce rack dispose d'un tiroir de rangement pour vos cartouches en loose. Vous pourrez également placer quelques accessoires du côté gauche. Ce rack dispose de deux emplacements pour manette, juste aux côtés de la Super Famicom. Vous pourrez remarquer qu'à l'arrière, il y a un espace prévu pour laisser passer les câbles. Il faut bien avouer, c'est de toute beauté. Ce rack dispose de roulettes. Vous pourrez, faire ceci, mais encore cela. Vous pourrez promener votre Super Famicom. Elle s'amuse, n'est-ce pas ? Gangeek Style étant toujours pertinent, je me suis laissé tenter suite à une vidéo sur sa chaîne concernant certaines housses de protection pour vos consoles rétro. Je vais vous présenter brièvement les quelques jeux que j'ai pu glaner sur la Super Famicom. Super Retour vers le futur 2. Jeu sorti de nulle part, un épisode 2 qui n'a connu ni épisode 1 ni épisode 3. Un des meilleurs jeux de la licence, malgré tout, mais souffrant de gros défauts techniques. De gros ralentissements vous accompagneront tout au long de votre aventure. Battle Pinball. Assez méconnu, ce jeu de flipper est tiré d'une saga sur Super Famicom. Je ne vais pas m'étaler, ne la connaissant pas suffisamment, malheureusement. Assez bien réalisé, ne vous fiez pas à son aspect mignon, il est assez complexe à maîtriser. Temps moyen avant le game over, 2 minutes. Donkey Kong Country. Quelle claque à l'époque! J'aurais bien revendu ma Mega Drive uniquement pour y jouer. Dans cette version 60 Hz, même si le titre est plus rapide, le niveau des wagonnets se passe beaucoup plus aisément. Donkey Kong Country 3. Épisode un peu boudé, un peu moins bien fini, mais cela reste un Donkey Kong Country, donc un indispensable. C'est toujours un plaisir d'y jouer. Vivement que je puisse posséder le second volet. Fatal Fury Special. Souvent comparé à Super Street Fighter 2, un roster un peu plus étoffé, vous aurez droit à la version ultime, particulièrement sur cette version Super Famicom. La version pâle s'étant vue amputée de personnages ainsi que de décors. Jackie Crush. Tiré de Candy Crush, je plaisante. Ce jeu de flipper est la suite directe de Dragon's Fury sur Mega Drive, peut-être le moins bon de la saga, même s'il bénéficie d'effets graphiques très appréciables. Sailor Moon. Pensant jouer à la version Beat'em Up, je suis malheureusement tombé sur la version Puzzle. Bon, ce n'est pas si mal que ça, vous pourrez jouer en Versus ou en mode histoire. Assez simple à prendre en main. Si vous aimez la licence Sailor Moon, ce jeu est fait pour vous.
Sengoku. Sengoku est une série de beat'em up connue sur Neo Geo. C'est en quelque sorte un portage sur la console de Nintendo. Ce n'est pas le meilleur titre, mais le gameplay se démarquera par diverses transformations et armes que vous pourrez utiliser. Super Street Fighter 2. Le plus adulé, le plus rapide et le mieux conçu selon les puristes. Les boss ont été ajoutés au casting pour en faire un épisode plus complet et corrigé. Les combattants se sont vus octroyer quelques coups spéciaux supplémentaires. Super Street Fighter 2. En gros, c'est 2X sans les furies. Hélas, par rapport à l'épisode précédent, le son a subi une régression. Le mode turbo sera également un peu moins rapide. Cela reste le volet auquel je joue personnellement le plus, noob que je suis. Super Mario World 2, aussi appelé Yoshi's Island. Doit-on présenter cette tuerie intersidérale galactique? Bon ok, j'en fais trop. Ce pleur de bébé suffit à beaucoup pour ne pas vouloir en entendre parler. Pourtant, la Super Famicom crache toutes ses tripes dans cette réalisation à classer au rang de chef-d'œuvre. Zenki Denkai Dushi. C'est un jeu de plateforme qui m'a beaucoup marqué étant donné que les graphismes sont somptueux. Cependant, le titre reste très difficile à maîtriser. Au début de l'histoire, vous serez petit et vous pourrez grandir au fur et à mesure et obtenir des pouvoirs spéciaux supplémentaires. Ce que vous devez savoir également, c'est que ceci est une manette Super Nintendo. La longueur du câble, elle est conséquente, vraiment conséquente. Par contre, sur Super Famicom, c'est beaucoup plus court. Les Japonais ayant pour habitude de ne pas s'installer dans le divan comme nous, mais proche de la télé, mais assis par terre, ils n'avaient pas besoin de longueur de câble comme pour en Europe. Il en reste encore pas mal, il y a ça de plus pour les câbles européens. Autre avantage de la Super Famicom, c'est de trouver encore aujourd'hui des jeux en carton complet, en boîte évidemment, de cette qualité, qui sont très peu abîmés, voire en très très bon état. Et tout cela pour moins cher que la cartouche en loose au niveau PAL, vous obtiendrez cette version complète. Quand je dis complète, c'est complète avec une notice en très très bon état. Voilà, autre exemple de jeu complet. Il est un peu en moins bon état, mais c'est pas grave, moi je m'en fous, c'est pour jouer plus que pour collectionner à vrai dire. Mon but n'est pas de tout afficher, de tout granger dans une armoire. Ce qu'en Super Famicom ils ont prévu également, donc ceci ce sont des boîtes prévues pour Super Mario World. J'en ai acheté quelques-unes afin de pouvoir mettre mes cartouches en loose. Elles sont assez sympathiques. Donc on va récapituler les avantages de la Super Famicom, les jeux moins chers, de meilleure qualité parce que vous bénéficierez du mode 60 Hz, avec un espace de jeu sur l'écran plus important. Petit point sombre évidemment, c'est que les jeux seront en japonais, mais dans la plupart des cas, cela ne viendra pas entacher votre expérience de jeu. J'ai pu jouer à Yoshi's Island sans aucun problème, voilà, tant que le gameplay moi, ne change pas, il n'y a aucun souci avec ça. Est-ce la console qui remporte tous les versus? Est-ce la console ultime? Bien malheureusement non. Si vous êtes fan de jeux de combat, admettons Mortal Kombat n'est pas forcément un jeu technique, mais Mortal Kombat 2 sur la version Jap, qu'est-ce qui se passe? Ah, Mortal Kombat 2, à mes yeux le meilleur de sa génération. Connu pour sa violence, nié? Eh bien oui, vous ne rêvez pas. Même si c'est ce que l'on appelle une exception, ce titre s'est vu tronqué, violé, censuré. L'hémoglobine se transforme en un jus vegan à base de brocoli. Et les fatalités nous téléportent directement dans un film de Laurel et Hardy. Allez, on va pas faire la fine bouche, c'est le seul jeu où j'ai pu remarquer des différences aussi monumentales. Mais c'est pour vous dire que la Super Famicom a aussi ses petits défauts. Certes, c'est un détail, mais je me devais de le souligner. Ce sera tout pour aujourd'hui, et ma petite présentation sur la Super Famicom et ma collection minuscule de cette console. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour une première de cette année. N'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, abonnez-vous, commentez la vidéo également et les petits pouces qui font toujours plaisir pour le travail accompli. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite réception de colis venus d'Angleterre, avant le Brexit. Super, j'ai enfin reçu ça. Des boîtes de mouchoirs par milliers. Ah, pour emballer mon saumon, rien de tel. Hop.
J'aimais beaucoup le saumon en anglais. Un fan de fish and chips. Une petite Super Famicom. Une manette un petit peu jaunie, mais ça c'est pas très grave. J'ai les manettes 8-bit Do, ainsi que les manettes originales Super Nintendo. Le câble d'époque. Pas toujours courant ça. Et une petite alimentation japonaise.